Les gens savent comme c'est dur, comme vous pratiquez le tennis comme vous et moi, et on vous enlève vos yeux. Mais comment ils font? Et il y a Agassi qui joue en Argentine contre le numéro 1, on va dire mondial, ou celui le plus fort, entre guillemets. Et vous voyez, Agassi, il est complètement à la rue. Ils utilisent à l'heure actuelle cette balle, une balle sonore. D'accord? C'est la seule balle qui existe et c'est la seule autorisée actuellement pour faire le blind tennis dans le monde. Le but de l'association, c'est que toutes ces personnes-là puissent se rendre dans n'importe quel club et jouer comme n'importe quelle personne valide. Aujourd'hui, c'est vraiment très intimiste parce qu'on a beaucoup aujourd'hui de réticences. On espère que pour septembre 2017, toutes les personnes pourront taper la balle dans n'importe quel club de France avec une simple licence. Le but, ça serait que pour 2024, on puisse être en démonstration ou pourquoi pas officiellement en compétition pour les Jeux.